aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Pokémon en Nuzlocke Challenge. J'espère que vous allez bien, moi ça va comme d'habitude. Petit changement dans l'équipe, comme vous le voyez normalement sur l'overlay. Donc on a gardé Xehanort et j'ai voulu farmer tout le monde niveau 20 en fait, histoire d'avoir à peu près toute l'équipe au même niveau. Et j'avais oublié que Magikarp évolue au niveau 20. Donc on a un Liviator maintenant. Je vous avais dit, vous verrez à l'épisode suivant, s'il y a Magikarp sur l'overlay, ben Magikarp ne sera jamais apparu sur l'overlay. Ici, il me semble qu'il n'avait pas encore évolué, donc voici Nidorina. Et en évolution, il me semble que c'est tout. Donc voilà, Nidorina qu'on pourrait éventuellement faire évoluer. Parce que j'ai effectivement une pierre lune. Bon, on va attendre un petit peu. Alors normalement, on doit se rendre tout de suite dans le bateau. Mais j'ai décidé de faire d'abord les dresseurs qu'il y avait aux alentours. Ici, il y a une petite capture qu'on peut faire également. Cave Topicker, bah forcément, normalement, il n'y a pas de doute, on devrait avoir un Topicker. On y va, mais ne triche pas. Et du coup, sur cette route-là aussi, je peux faire une capture. Je peux faire deux captures aujourd'hui. Je devrais peut-être faire les captures au cas où je voudrais garder les Pokémon dans l'équipe. Peut-être, peut-être, peut-être. On va lui faire quoi, lui? On va lui faire Bulldo. Ah bah c'est bien ça. On va commencer par les captures. Je sais pas trop si j'ai envie de changer mon équipe pour le moment, mais... Léviator, je garde, ça je garde, je garde. Ah peut-être Ansem que je ferai partir, je sais pas. Je sais pas trop à vrai dire. Bon, suspense. Enfin, suspense. LOL. Le suspense, c'est quel niveau est-il? Ah bah parfait. Tu serais parfait pour l'équipe. J'aurais pas besoin... Ouais, mais... J'aurais pas besoin de farm, c'est bon. Bon bah t'es mort. Au moins c'est fait. Il était trop faible pour être dans notre équipe. S'il meurt avec un morsure... Bon, cette zone-là, c'est fait. On l'a perdu. Et il nous reste ici. Sablette. Mais j'ai pas envie qu'il meure. Je n'ai pas envie qu'il meure parce que j'aime beaucoup Sablette. Donc comment dire, j'aimerais bien l'avoir. Ouais, il va mourir. Ça marche pas une Pokéball du premier coup. Je t'aime Sablette, viens avec moi. S'il te plaît. Je vais pas le tuer avec charge. J'ai une idée. Ouais, c'est ça mon idée. Ça va être long, mais c'est pas grave. Non, j'ai peur. Et si je le tue, je m'en fous. Ce sera long, mais je m'en fous. La fille qui veut vraiment ce Pokémon. Non mais c'est tout, c'est Sablette quoi, c'est... C'est Sablette. Bon, évidemment je coupe pas au montage hein, parce que imaginez je meurs sans le faire exprès. Ce serait moche quand même. Ah mais faut... Je sais pas si j'ai des antidotes sur moi. Faut pas qu'il soit trop empoisonné non plus parce qu'après j'arriverai pas jusqu'au centre Pokémon sinon. Ce serait dommage quand même. J'ose pas trop réessayer une Pokéball maintenant parce que j'en ai que 3. Bon, autant vous dire, il sera dans l'équipe à la place de Ansem, hein. Ça c'est sûr et certain. Je sais pas comment l'appeler. Vous m'avez donné des noms que vous aimeriez bien être un Pokémon. Mais comme je m'y suis pris tard dans le jeu, je pense que je vais garder tous ces noms pour le prochain Nuzlocke. Parce que oui, il y aura d'autres versions que je ferai en Nuzlocke quand, je ne sais pas, mais... Il n'y aura pas un espace d'un an comme la dernière fois, hein, je pense pas.
Je réfléchis en même temps pour le nom. Je sais pas trop si j'attends le prochain Nuzlocke ou si je mets vos noms quand même. Ah, j'entends Thune. Ouais. Parce qu'en fait ça m'embête parce que si jamais je change pas l'équipe, si j'ai pas trop de morts, tout ça, je me dis il y aurait pas beaucoup d'abonnés en Pokémon. Bon, on va le faire comme ça quand même. Bon, c'est pas le plus badass, mais c'est pas le plus pourri non plus. Parce que j'avais dit que ce serait difficile de trouver un Pokémon badass en Nuzlocke. Donc c'est celui-ci que je vais appeler Django, du coup. On va aller chercher. C'est vrai, j'avais peur qu'il soit empoisonné, mais il sera pas dans mon équipe tout de suite. Je suis bête. Hop. Alors certains me donnent des conseils pour éviter certains combats, tout ça, mais en fait c'est pas le but. Si j'évite tous les combats, si... Bah en même temps c'est un Nuzlocke trop facile, si j'évite tous les combats c'est sûr que je risque pas de mourir. Bon bah l'aventure d'Ansem, j'ai passé je sais pas combien de temps à farmer pour rien du coup, mais c'est pas grave. Il me servira peut-être un jour si je perds un Pokémon. Au revoir Ansem. C'était un plaisir. Bon, va falloir farm Django quoi, mais... Parce que niveau 14, il y a du boulot quand même. On va te mettre en premier, on va te soigner surtout. Hop. Et on va pouvoir continuer nos combats. Ça va être beau. Pas de mort aujourd'hui, pas de mort. Enfin, dans cet épisode. Pour moi aujourd'hui peut-être, vu que je vais en tourner 5-6 à la suite, mais... Allez, on y retourne. Par contre, ouais, il vend pas d'antidote lui, je crois. Ça, ça me fait chier quand même. J'ai combien de potions sur moi? Quatre, c'est tout. Bon, je vais attendre un peu. On va se faire de la thune et on verra. Bon, je pourrais traverser la caverne pour aller chercher les objets, tout ça, mais bon, ce serait long et chiant. Alors, dans cette zone-là... Hop. À nouveau. Je me souviens plus des Pokémon qu'ils ont ici, par contre. Forcément, un seul... Ouais, mais toi, t'es niveau 19. J'ai même pas vu ce qu'il avait en attaque. Ah, d'accord. Sablette, on va envoyer qui? Bon, on va envoyer Dingo. Hop. On one shot, bien sûr. Ce serait con quand même. J'aurais été un peu dégoûté. On va mettre Django. Oh, je sais pas trop. Manque de Pokémon électrique quand même dans l'équipe. Hein. T'aurais pu le one shot. Hein. Non mais franchement, pour laisser un PV, heureusement que t'es pas devenu fou. Tes Pokémon sont nuls, j'avoue. J'osais pas le dire, mais vu que tu t'es permis, bon, y a lui là-bas. Là. Lui, il dit, je sais plus, il dit un truc, enfin, il parle mal, je crois. Non, c'est pas lui. Tu veux gagner ou perdre? Ben, gagner. Surtout en Nuzlocke, ça m'arrangerait. Hein. En petit tard. Ah, bah, c'est dommage qu'on a plus en scène. Ouais bah du coup on voyait Dingo. Pas vraiment le choix. Ah là là j'ai mal.
Oh non! Mais j'avais oublié que t'avais ça, moi. Oh, j'espère qu'il va se réveiller vite. Hein. J'ai pas une note à réveil face à petit tard, quoi. Surtout qu'il risque pas de me faire mal. Ouais, c'est bien fait, écume. Allez, réveille-toi, s'il te plaît. Ça va être l'épisode le plus long. Allez, réveille-toi. Il dort à long terme, là. Ah, et là, il refait hypnose juste derrière. Allez, one-shot-le, s'il te plaît, quand même. Oh, mais non. Ça va, il a fait pas hypnose. Allez, faut faire level up Django. Si on veut espérer sans... Non, non, juste le faire level up, on va se calmer. Ah c'est vrai, il y a Rukul qui a évolué aussi. La fille, après le lancement de l'épisode, au bout de 10 minutes, elle se rend compte qu'en fait, il y en a encore un. Parce que je me souviens plus, ça fait longtemps que j'ai pas tourné ce jeu. Pour tout vous dire, je tourne le mardi et le mercredi, et souvent le mardi je fais un jeu, le mercredi l'autre, et du coup il y en a un pendant une semaine que je ne fais pas. Oh t'es de l'autre côté, j'ai pas envie dans les herbes. Pas grave, il y a celui-là aussi. J'adore les défis, c'est bien. Mais genre mardi je vais faire Pokémon, mercredi Détroit, et après seulement le mardi d'après je ferai KH. Il y a toujours un jeu que je fais pas. Chose d'efficace, hein. Mais lui il résiste face à Chétifleur, donc on va mettre lui. Histoire qu'il prenne du niveau quand même. Il est sur ligotage, ouais. Toujours qu'il soit chiant. Allez. Bon, j'avoue, quand je farmais, j'utilisais beaucoup ligotage, mais. Mais c'est relou. Du coup, je vais faire ça. Au cas où. Tu peux la faire moins longtemps cette fois, s'il te plaît, parce que c'est long sinon. Déjà que les combats sont très longs là. Allez. Tu peux le tuer. J'ai cru qu'elle allait lui laisser un PV. Ah, petit level up pour Django. J'aurais bien aimé avoir un mystère, moi. J'ai envie d'envoyer Kairi. Oh non hein. C'est chiant aussi en fait, j'ai des antiparas, mais bon, si je peux éviter. Ouais, t'as eu ta chance et tu l'as raté. Ouais, si tu restes là sans bouger, encore heureux que tes Pokémon sont prêts. Non mais je vais t'envoyer Kairi aussi, toi. Quoi que t'as de Darvenin, toi. C'est pas grave. Oh, t'aurais pu rester fou quand même. Oh, mais j'ai peur de renvoyer Kairi derrière par contre. Il est au même niveau, mais il n'y a pas la même force. Je peux pas me tuer en un coup, c'est pas possible. Tu m'enlèves combien? Ouais, mais tu fais un coup critique quoi. Bon, on va changer pour être sûr, mais... Forcément, si tu fais un coup critique. Hmm. Ouais, fais gros yeux, c'est bien. Parce que Darvenin, je le sens pas.
dans ces zones là. On va aller se soigner un coup. Je crois qu'il en reste plus beaucoup de dresseurs, je crois. J'ai pas envie de faire la route pour rien. Enfin, plus beaucoup, il en reste quelques-uns, quoi, mais... Bonjour. Tu n'as jamais gagné. Bah, j'espère que ce sera pas aujourd'hui. Oh, Caninos. Non, Xanoth n'a pas d'attaque haut. C'est con. J'ai pas d'attaque sol non plus. Donc c'est la loose. Allez. Je sais pas quoi penser de ce Goopix. Ce sprite est bizarre. Ben on voit que c'est un Goopix quoi, mais en même temps, je sais pas, il y a un truc qui me gêne. C'est bizarre de revoir du vieux Pokémon comme ça. Ah bah voilà, il aura pris deux niveaux déjà. Tu m'y attendais, bah forcément si tu n'as jamais gagné mon ami. Non mais j'aime pas aller dans l'herbe là-bas. Je pense que je suis obligée de traverser de l'herbe quand même. Hein, mais... Je pensais que tu bougeais la tête toi. C'est un intello lui, non? Je sais plus. Tu poses des câbles, c'est lui qui a des magnétis. Non, c'est un mécano. Des magnétis, on a un, mais bon, c'est pas grave. Niveau 21 quand même. Je résiste aux attaques électriques, mais je tenterai pas. Vous voyez Dingo, c'est plus sûr. Notamment à cause de cette attaque. On va se calmer. Hein. Non, normalement je le tiens. J'ai tellement eu peur. J'ai eu peur qu'il fasse un coup critique, vous imaginez même pas. Ouais, fait charge, ouais. Oh là là. Cette montée que j'ai eue là. On va se calmer tout de suite le mécano. Tu me niques pas mon starter. Si je perds mon starter, je suis perdu quand même. On va lui remettre une potion. Ah mais c'est vrai, je peux prendre Tunnel à Sablette. Ah mais s'il meurt, Django t'as intérêt à rester en vie hein. Parce que j'aime trop ce Pokémon en fait. Et je t'ai donné Tunnel, c'est une attaque que j'aime beaucoup. Faut pas la perdre. Je te déteste sinon. Oh non, toi aussi t'as Magnéti. On peut arrêter avec Magnéti. J'ai pas confiance. Et niveau combien? Parce que j'ai envie de tenter une attaque. Parce qu'il a pas lévitation dans cette version. Allez Django, on y croit. En plus ils font charge, c'est bon. Regardez-moi ça, il prend un niveau du coup. Il apprend en tranche, mais il est génial ce Pokémon. Ouais, Magneton. Il est que niveau 18. On va switch, non? Mais il a éclair. Pas trop quoi faire, j'avoue.
Ça va, il le tue tout de suite. Ouais, je fais des étincelles, mais j'ai eu très peur. Il reste qu'un dresseur, mais vous allez me traiter. J'ai envie de me soigner quand même. J'ai trop peur, là. C'est terrible ce qui se passe. Et encore, je sais pas si on peut avancer pour faire d'autres dresseurs. Ce qui est bête en Nuzlocke, c'est qu'il faudrait que je capture quand même des Pokémon random. Juste pour avoir le multi-egg. Parce que j'avoue, je le prendrais bien. Genre, on va racheter des potions. J'en ai combien déjà? Parce que je vais pas en racheter 50 000 non plus. On va en prendre 8 si je peux. Oh le stress! Je vous jure. Des Pokéballs, j'en ai combien? Bah, je sais pas quand est-ce que je peux acheter des Super Balls, donc je vais pas trop en acheter non plus. Ah, j'étais dans le mal là. Non, mais soigne les, s'il te plaît. Je me souvenais pas avoir joué avec un Sablette dans ces versions là, par contre. Bon, à l'époque, c'était pas mon préféré, maintenant je l'adore. Allez, on y retourne. Dans l'herbe que j'ai pas fait non plus. Il y avait rien qui traînait ici. C'est bizarre. Une grande zone comme ça, c'est bizarre. Il y a lui et il y a l'autre. Ah ouais, il y a l'autre qui a jamais gagné et il y a lui qui a jamais perdu. Non mais les Pokémon électriques, c'est le mal. Heureusement que j'ai lui maintenant en fait. Non mais Sonic Boom c'est le mal aussi. C'est chiant comme attaque. Regardez les dégâts qu'il lui fait. J'en tente même pas un deuxième quoi. Je vais switch évidemment. J'ai trop peur. Ouais mais j'ai trop peur. Ma foi, je sais pas trop quoi faire comme attaque. On va faire griffe. Hein. Ouais, coup critique, c'est bien, ça me fait gagner un peu de temps. Voilà, c'est dommage, j'ai pas fait Sonic Boom une seule fois, hein, mais. J'avais pas envie de le tenter. Ta première défaite, c'est beau, ça se fête. Viens jusqu'à moi. Je veux pas aller dans l'herbe. C'est le plus fort de ta classe, mais en combat, qu'est-ce que ça donne? T'as 3 Pokémon quand même. Oh. On se moque pas des Rattata parce que le crâne mort, ça fait mal. Donc je vais pas me moquer trop vite. Je sais pas s'il l'a à ce niveau là, mais je sais plus à quel niveau il l'apprend. J'ai un niveau de plus, mais j'ai peur. Voilà pourquoi j'ai peur. Donc il l'a. Donc on va changer de Pokémon après. Hein. Pourquoi quand je mets un Pokémon plus fort, il a fait pas l'attaque, c'est pas... J'aime bien avoir des frayeurs comme ça, j'adore. Je veux Django jusqu'à la fin de l'aventure.
Ouais, sûrement tu peux le faire, ça va. Bon, on va s'arrêter là. Non, non, je veux pas être le chef de la classe, c'est bon. Je sais plus si on peut aller là tout de suite. C'est ici qu'il donne le multi en plus. Mais il faut 50 Pokémon, je crois. Ah non, 30. Oh, c'est le cherche-objet, rien à voir. J'en veux pas. Mais c'est où alors? Je me souviens plus. J'ai déjà Nidorina. Non, il y a Ronflex. Et... un Ronflex, ce serait pas mal dans l'équipe quand même. J'avais oublié ça. C'est à voir. Du coup, on va aller soigner notre petite équipe. Maintenant que je pense on ne craint plus rien. Et il y a le bateau qui nous attend encore, donc... J'ai peur les amis, j'ai peur. À votre avis, va-t-on perdre un Pokémon dans le bateau? Je vous laisse me dire ça dans les commentaires, même si je vais tourner la suite tout de suite, mais... juste pour voir ceux qui auront les bons pronostics. Selon vous, vais-je perdre un Pokémon dans ce fameux bateau? On va voir Coupe. Alors on m'a dit, oui tu as le droit d'avoir un CS Clave, machin, ça fait partie des règles. Bah, des règles, non. C'est les règles que se donnent quasiment tous les youtubeurs faisant un Nuzlocke. Mais si je peux l'apprendre à quelqu'un de mon équipe, je l'apprendrai à quelqu'un de mon équipe et voilà, c'est tout. Parce que j'ai envie de jouer avec tous les Pokémon de mon équipe, j'ai pas envie forcément d'en avoir un random juste pour apprendre les CS, donc... Et puis je pense qu'on va se quitter là pour cet épisode, j'avais pas vu le temps. Mais en tout cas, j'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine dans le prochain épisode. Ciao tout le monde, des bisous.